Voyons maintenant ce qui peut se passer lors de travaux de rabotage arrêtés, effectués sans dispositif de protection et avec une table de dégauchissage abaissée. Ici, le risque est que les couteaux exercent une force de coupe importante sur la pièce à travailler. Si la table de dégauchissage est abaissée, les couteaux vont exercer une force de coupe importante. La pièce peut ainsi être rejetée et entraîner ta main. Avec un dispositif de protection, tu peux effectuer ce travail en toute sécurité. Lors de l'engagement de la pièce, veille à ce que ta main gauche se trouve toujours derrière l'arbre sur la table d'amener. Et voilà, c'est à toi. Engage la pièce. Pousse-la. Bien, reprends-la maintenant avec prudence. Très bien. Tu disposes également d'un programme d'exercice pour les dégauchisseuses. N'hésite pas à t'en servir.